Bon, ben les zinzins, on se retrouve aujourd'hui pour une petite pêche en canal. Donc toute la semaine, on a eu des températures assez convenables. Il est tombé un peu d'eau, pas non plus des grosses pluies. Donc on est à la fin du mois d'août. Normalement, je pense que le poisson devrait bien se remettre en activité. Là, on va rentrer dans les meilleurs mois de l'année, hein. Donc aujourd'hui, bah, une pêche de blanc, tout venant, on verra ce qu'il veut bien mordre, hein, brème, gardon, rotangle, tanche. On verra ce qu'il y a. Donc une pêche aux méthodes feeder. J'ai clippé la ligne, tout, je suis installé. J'ai clip à 15 mètres. Et puis je suis dans le chenal du canal. De 15 mètres jusqu'à 25 mètres environ, j'ai un bon 3 mètres de fond. Donc on verra, c'est assez propre, hein, parce que j'ai gratté le fond, c'est tout lisse. Je me suis assez serré sur une bande d'herbier pour essayer de faire sortir les poissons des herbiers, mais bien sûr. Je risque d'avoir des touches où les poissons partent direct dedans. On verra bien, c'est le jeu. Allez, on se retrouve, je vous fais voir un peu mon bac, etc. Voilà, alors le bac du jour, bah, ce sera du pelé en 2 mm avec, on va pas dire moitié-moitié chaîne vie, mais on va dire un bon 2 tiers, 1 tiers. 2 tiers pelé, 1 tiers chaîne vie. C'est avec ça qu'on va essayer de faire les poissons aujourd'hui. Et puis bah, je vais mettre une petite huile. Je pense petite huile de saumon, parce que Robin Red en canal sur les poissons blancs, je suis pas convaincu. Voilà. Allez, on va mouiller ça, le préparer et on se met en action après. Alors, donc ce sera une pêche aux méthodes feeder 35 grammes. Je vais pêcher à une quinzaine de mètres. J'ai gratté un peu le fond là, de 25 mètres jusqu'à 15 mètres, c'est propre partout. Il y a quand même pas mal d'eau. On est sur un bon 3 mètres. Donc en bas de ligne, je suis en 26 centièmes avec un hameçon de 10, montage aux cheveux avec tétine. Et vous allez me dire, 26 centièmes, c'est gros, très gros. Mais en fait, ça donne une courbe au montage à l'hameçon qui fait vraiment un montage très agressif. Une chose que je pratique aussi régulièrement sur mes pêches de barbeau, souvent on me dit, oh la vache, t'es gros en bas de ligne, ouais, mais regarde la courbure que ça donne à l'hameçon, et ça crée vraiment un côté très agressif au montage. Voilà pourquoi des fois c'est pas forcément pour faire une pêche de bourrin, c'est juste pour avoir ce côté agressif dans la présentation de l'hameçon avec lèche. Allez, on va commencer par un maïs, et puis là, bah ça y est, hein, c'est bon, mes pelés sont prêts. Avec le chêne vie, il n'y a plus qu'à. C'est parti, en espérant faire quelques jolis poissons. Thank you.
Alors, je vous fais voir ma petite installation. Donc, deux pics, une canne, l'épuisette, mon bac avec un chiffon. Alors là, je suis vieille chaise de camping, très très vieille. Et puis, donc, quelques appâts. Le maïs doux, hein, je pense que l'essentiel de ma pêche avait été fait avec ça. Les dumbbells, généralement, ça me sert plus en saison froide et. Si vraiment j'ai pas de touche au maïs, je passe les dumbbells, mais souvent quand ça répond pas au maïs à la belle saison, ça répond à pas grand chose. Voilà. Allez, on va mettre la pêche en route. Bon, bah les amis, la petite pêche du jour. Donc une belle pêche de tanche, hein, quelques brèmes. J'ai perdu au moins autant de tanches que ce que j'ai sur le tapis dans l'herbier qui est à ma droite. Hein. Systématiquement, elles sont parties se tanquer dedans. Je me suis bien amusé. Et puis, bah l'essentiel des tanches, c'est que des femelles. J'ai juste un mâle, le plus petit des poissons. Après, comme vous pouvez voir... Il y a quand même des très beaux sujets. Ce petit canal est vraiment rempli de beaux poissons. Allez, on se retrouve bientôt pour une autre pêche. Ce coup-ci, ce sera du barbeau sur la Somme. N'oubliez pas de nous rejoindre sur le groupe Rivière Feeder et compagnie, sur Facebook. Continuez à vous abonner à la chaîne, ça fait plaisir. Laissez un petit pouce, un commentaire, et puis on se retrouve bientôt. Gardez la pêche.